L'évangile qui nous est proposé pour ce jour est dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 14, les versets 22 à 34. Jésus obligea les disciples à embarquer dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, Jésus monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. Le bateau était déjà à bien des stades de la terre, malmené par les vagues car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur peur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage, moi je suis, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »« Viens !» lui dit-il. Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus, mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu !» Ayant traversé, ils arrivèrent à terre, à Génézareth. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. En ce qui concerne les miracles, je pense qu'il est possible que Jésus ait eu des talents de guérisseur et de rebouteux. Seulement, nous avons ici un miracle d'un autre type, contraire aux lois de la nature. Et cela n'a pas de sens, à mon avis, de penser que Jésus aurait marché sur l'eau matériellement, sur de l'eau profonde. Il y a bien des textes bibliques qui sont manifestement à lire au sens spirituel et non au sens matériel. Par exemple, quand l'Évangile dit que Jésus est la lumière du monde, il n'est bien entendu pas question de penser que Jésus serait un champ électromagnétique. Mais cela nous dit que par la foi en Christ, eh bien, nous voyons plus clair dans notre existence par nous-mêmes. Alors je pense que c'est triste de traiter les évangiles comme si c'était des histoires à dormir debout et à marcher sur l'eau. Ce n'est pas le cas. L'évangile nous parle en réalité de ce salut que Dieu nous apporte en Christ, aujourd'hui, concrètement. Alors, quelle bonne nouvelle nous est annoncée dans ce texte où Jésus et Pierre marchent sur l'eau. La première lecture possible, la plus courante, est de reconnaître dans cette mer déchaînée tout ce qui malmène notre existence, tout ce qui nous menace d'être engloutis par le chaos. En effet, dans la Bible, si l'eau douce comme la rosée ou comme un ruisseau d'eau paisible, c'est des images de la bénédiction de Dieu. L'eau sauvage de la mer déchaînée est une figure du chaos. Alors chacun de nous est évidemment plus ou moins malmené, frappé par des tempêtes, des ténèbres et des abîmes. Alors il y a sort, certes, la mort qui finit toujours par l'emporter sur les corps, ce n'est un secret pour personne. Il y a surtout la peur de cette mort, voire l'angoisse qu'elle peut susciter.
donnant le sentiment d'être dans les ténèbres, suspendu au-dessus d'un abîme sans fond. Et puis il y a les vagues du chaos qui frappent souvent injustement. Ben, c'est le propre du chaos de ne pas avoir de logique et de sens. Et puis il y a la méchanceté et la bêtise humaine qui sont de tristes sources de chaos. Il y a aussi nos propres ténèbres et abîmes intérieurs que sont la colère, la haine et plus largement ce nous-mêmes qui ne nous plaît pas toujours et que nous ne savons pas comment domestiquer. Alors face à tous ces abîmes-là, le récit de l'Évangile nous propose des pistes intéressantes pour ne pas être submergés, pour reprendre courage et pour arriver à bon port. Il y a d'abord la barque des disciples, cette frêle construction faite d'intelligence humaine, d'artisanat, de travail, de solidarité. C'est la première piste. Une piste éprouvée depuis l'aube de l'humanité et même encore plus loin, puisque les colonies de fourmis, d'abeilles ou de marmottes vivent grâce à cela. Seulement, nous voyons des disciples ramer et ramer encore et ça n'avance pas trop en réalité. Ils ne voient pas le bout de cette traversée dans la tempête. L'industrie et la solidarité humaine sont importantes, mais elles ne suffisent pas. C'est alors que le récit met en scène le Christ. Il se présente en disant « Je suis », ego eimi en grec. Cette expression a dans la Bible un parfum de divinité, même si « ego eimi » n'est pas exactement le nom de Dieu dans la Torah. Car ce nom de Dieu, qui en hébreu est Yahvé, est traduit en grec au participe, au on, et non pas à l'indicatif ego eimi. Mais quand même, les disciples reconnaissent, et le lecteur de la Bible aussi, ne peuvent manquer de faire le lien entre ce ego eimi et Dieu. Dieu, l'Emmanuel qui s'approche de nous, qui est parmi nous, qui est en nous, Dieu avec nous. C'est pourquoi les disciples reconnaissent ce qui approche, reconnaissent comme Seigneur et l'appellent Fils de Dieu et non pas Dieu quand même. Donc Dieu se rend présent à nous précisément quand nous sommes malmenés par le chaos, quand nous ramons dans les ténèbres. Cela dépasse la réalité matérielle. Cela dépasse la solidarité humaine, le réconfort de la compassion, la force de la sagesse et l'intelligence. Même si tout cela est précieux par ailleurs, ce qui vient est au-delà de tout cela, comme une présence qui change tout, alors même que nous avons encore d'excellentes raisons d'avoir peur. Quelque chose qui nous fait sentir qu'un peu plus et nous serions capables de faire notre chemin par-dessus le chaos, par-dessus la tempête, bravant notre angoisse des abîmes, que tout cela n'aura pas le dernier mot dans notre vie. La figure de Pierre le montre. Malgré sa petite foi, malgré son côté bravache qu'on lui connaît par tous les textes des évangiles, un mot du Christ vient et il peut marcher sur l'eau. Nos propres forces en réalité sont infiniment plus grandes que ce que nous pouvons imaginer être possible. Et quand elles ne suffisent pas, alors l'Emmanuel, Dieu avec nous, vient au secours de notre manque de foi et nous arriverons à bon port. Cette figure que nous apercevons en disant, qui dit « c'est moi, je suis » est aussi une figure de notre moi idéal,
de ce mois que nous sommes déjà en partie, mais que nous serons un peu plus demain par la grâce de Dieu. C'est pourquoi Pierre prend courage en voyant ce « c'est moi » et qu'en même temps il prend peur. Il s'effraye devant ce moi idéal que nous sommes si peu en réalité. Mais là encore, Dieu est avec nous. Dieu venant à notre secours, nous encourage et nous interpelle, nous stimule et nous rassure. Ce moi idéal du Christ, il n'est alors plus culpabilisant, comme un reproche, parce qu'avec lui, demain est déjà là. Et il nous prend par la main, et il nous tire vers le haut, et il nous aide à monter ou remonter dans la barque de la communauté humaine où il est avec nous et en nous. Alors c'est la première interprétation classique que je vous propose de ce récit de la marche sur les eaux. Il y a là une expérience réelle, spirituelle, existentielle. Alors je croise souvent de ces personnes qui témoignent que la foi a été un secours décisif dans leur vie. Un secours très concret, en même temps dépassant l'imaginable. La vie touche alors au miracle. Il y a là bien plus que de la théologie abstraite, bien plus que des idées rassurantes pour ce face à la fragilité de notre existence humaine. C'est pourquoi je pense que cette forme littéraire du miracle est tout à fait appropriée pour nous dire cette réalité de l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu pour nous, Dieu en nous. Cela dit, en ce qui concerne ce texte précis de l'Évangile qui nous est proposé pour ce matin, il y a quand même une difficulté dans cette interprétation classique. C'est qu'au début de ce texte, nous voyons que Jésus envoie ses disciples pour ensuite envoie ses disciples donc dans le chaos, dans la tempête enténébrée. Il nous envoie dans cette galère délibérément. Ce texte nous dit même qu'il les oblige, qu'il les force à y aller. Si cette mer tempétueuse et pleine de ténèbres était une figure de notre détresse, comment imaginer une seconde que Jésus nous y aurait envoyé, qu'il nous pousse à aller dedans pour ensuite les délivrer et faire le malin, montrer qu'il est grand, beau et fort? Cela n'a pas de sens. Christ, jamais, au grand jamais, n'est source de souffrance ni d'épreuve pour quiconque. Comme Dieu n'est jamais source de ténèbres, nous dit Jean. Au contraire, bien sûr. Alors, cette première interprétation que je vous ai proposée, elle convient parfaitement à la version de Jésus qui marche sur l'eau dans l'Évangile selon Jean. En effet, dans cette version de Jean, les disciples de Jésus se séparent de lui, sont déçus. Et littéralement, ils descendent vers la mer, ils plongent, ils tombent, et les ténèbres s'emparent d'eux, nous dit l'Évangile selon Jean. Donc nous avons bien dans cette version de Jean une figure de notre faiblesse. Quand nous lâchons individuellement ou collectivement, et qu'alors un chaos absurde menace de nous submerger. Alors c'est une question, celle-là, qui traverse bien des textes de la Bible. Par exemple, l'histoire de Jonas, dans son rejet de Dieu, dans son manque de compassion pour les Ninivites s'il ne va pas les sauver, dans la méchanceté des marins qui jettent Jonas par-dessus bord dans la tempête. Alors selon cette histoire de Jonas aussi, Dieu vient au secours de notre manque de foi pour sauver tout le monde du chaos. Les marins, Jonas, les Ninivites. La première interprétation que je vous ai proposée a donc du sens. Seulement, elle ne cadre pas avec la version de la marche de Jésus sur la mer que nous avons dans les évangiles selon Matthieu et selon Marc.
Après avoir pris courage avec la première interprétation, disant que Dieu ne nous abandonnera pas à mi-chemin, fort de cette assurance du secours de Dieu, nous pouvons passer à une seconde lecture plus hardie. Jésus nous envoie donc avec autorité au beau milieu du chaos, de la tempête, des chaînées, des ténèbres et du grand vent. Alors s'il nous envoie ainsi, c'est certainement pour le bien, pour les envoyer à la vie, ses disciples, pour les envoyer être source de vie. Bien sûr, pas pour les envoyer dans la détresse et dans la mort. Alors quand on entend ce récit, pas besoin d'être un grand connaisseur de la Bible, d'avoir avancé très loin dans sa lecture pour repérer que tout dans ce récit de l'Évangile fait référence à une des phrases les plus connues de la Bible, parce que ce sont les premiers mots d'une force poétique extraordinaire. Genèse 1. Dans un commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était chaos et vide, et les ténèbres à la surface de l'abîme, et le souffle de Dieu se mouvant à la surface des eaux. Ensuite, dans le récit, Dieu se met à parler, créant le monde, commençant par la lumière jusqu'aux humains créés à son image et à sa ressemblance, qu'il bénit et qu'il envoie en mission. Nous avons les mêmes éléments dans cette première phrase, de cette première phrase de la Bible, dans notre texte de l'Évangile. Le chaos des flots, le grand abîme, le vent, les ténèbres, et Dieu qui vient pour sauver. Dans la Genèse, Dieu se rend présent à la surface de ce chaos par son souffle, par son Saint-Esprit, par le vent, puisque c'est le même mot qui dit tout cela. Et il le fait avec sa parole aussi, qui interpelle pour créer la lumière, pour créer de la vie possible, de la bonté, de l'harmonie, de la bénédiction. Dans l'Évangile, donc, Jésus envoie ses disciples à la surface de ce chaos, de cet abîme de tempêtes et de ténèbres. Ce parallèle entre la Genèse et le texte de l'Évangile nous fait voir en ses disciples, ces hommes et ces femmes, disciples de Jésus, il nous fait reconnaître dans ces hommes et ces femmes une présence de Dieu dans le monde pour faire émerger la vie. Il s'agit donc d'un envoi en mission de ces hommes et de ces femmes comme image de Dieu. Tels qu'ils sont, avec leur foi si petite, Jésus reconnaît en eux des êtres divins, des êtres que Dieu habite, porteurs du souffle de Dieu, de ce vent, de ce grand vent puissant qui vient planer sur la tempête et le chaos. Ils et elles sont, nous sommes déjà, image de Dieu, à la fois créature et créateur, créatrice. Jésus a raison, bien sûr, quand il les oblige à se bouger. C'est leur vocation, salutaire pour eux-mêmes et salutaire pour le monde. Mais l'amour en nous est ainsi. Il est au-delà de la sagesse. Il défie même souvent la sagesse. Il nous fait nous lever pour tenter de transformer le monde, prenant tous les risques, pour mettre de la lumière dans les ténèbres, pour faire émerger de l'espace vital entre les rives du chaos, pour former des projets de paix et tendre une main à celui qui coule. Alors l'ordre du Christ était un stimulant pour y aller. Et Pierre l'a bien compris puisqu'il en redemande. Nous pouvons le faire, nous, dans la prière, comme lui. Quand il dit à l'Emmanuel, qui est là ? Si c'est toi, ordonne de moi de venir vers toi sur les eaux, dans un mélange de foi et de doute, finalement, comme nous tous. Pierre est alors comme le prophète Ésaïe qui s'était saisi lui aussi de l'appel de Dieu
à entrer en mission quand Ésaïe répond « Me voici, envoie-moi ». Et donc oser se sentir personnellement concerné, à la fois humain et divin. C'est à cela que sert aussi cet ordre que Jésus donne à ses disciples quand il renvoie la foule. Christ n'est pas le gourou d'une secte, plaçant l'individu sous sa coupe, soumettant la pensée de chacun à une doctrine, à une morale. Au contraire, l'enseignement du Christ libère. Il envoie pour être soi-même, avoir son autonomie. Et pour ceux qui sont déjà plus avancés, comme ces hommes et ces femmes qui sont déjà disciples de Jésus, il est temps d'agir, de passer du côté passif au côté actif. Et c'est à la fois collectif, puisqu'ils sont dans la même barque, mais c'est aussi individuel quand Pierre sort de la barque. Il agit alors en humain, image de Dieu, libre, autonome et créateur, maître du chaos. Alors bien sûr à sa mesure, mais réellement quand même. Alors oui, c'est un miracle absolument vertigineux, littéralement. Mais ce texte nous dit de prendre courage et d'y aller franchement. Que notre toute petite foi nous rend capables de ce premier pas, et même de quelques autres pas, quelques pas de danse peut-être, quelques pas de Dieu à la surface du chaos. Ce texte nous dit que dans cette vocation, nous ne sommes jamais seuls. Le grand vent, il évoque le souffle de Dieu créateur, puisque c'est ce que nous avons lu dans la Genèse. Alors nous pouvons le sentir sur nous, en nous et dans le monde. Et puis quand il le faut, Dieu s'approche encore plus au point de nous toucher, de nous prendre par la main. Et puis il y a la barque de notre humanité. Dieu nous aide à y trouver notre place dans le corps du Christ. Avec Christ, donc, embarqué avec ceux qui se trouvent là, nous pouvons sentir alors que ce grand vent n'est pas une menace contre nous. Il est alors pour nous, dans cette lumière que nous avons. Il est un souffle joyeux qui nous anime et qui est source de paix dans le fracas du monde. Un souffle avec lequel nous pouvons nous associer au lieu de lutter contre. C'est ainsi que les disciples arrivent ensemble, en Christ, à bon port. Et ce port s'appelle Génézareth, précise le texte. Ce nom est-il là simplement pour en donner un peu de couleur au récit? Comme Victor Hugo qui, cherchant une rime à dette, invente le village de Jérimadette. Non, parce que dans ce récit, manifestement composé comme étant riche de sens théologique et spirituel plus que de sens matériel, ce nom de Génézareth, même si ce village existe réellement, elle n'est pas là pour rien. Alors les maîtres du Talmud juif, dans Bereshit Rabba, c'est un texte du IVe siècle, lisent Génézareth comme signifiant « le jardin des princes ». Et puis, saint Jérôme, l'immense érudit qui s'inspire d'Origène et qui a traduit donc la version, la Vulgate, qui est en vigueur si importante pour les catholiques, tous, ils lisent unanimement Génézareth comme signifiant le jardin des princes, en décomposant Génézareth en Gan, le jardin, et Sarim, les princes. Jardin comme le jardin d'Éden et prince comme prince de la paix. Dans ce texte d'Ésaïe que nous lisons souvent à Noël, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Grande joie, cri d'allégresse, car un enfant nous est né, un fils nous est nommé.
on l'appelle du nom de conseiller étonnant, de Dieu héros, de Père éternel, de Prince de la paix. C'est ce qui nous est promis, cet enfant en Christ et d'être cet enfant en Christ. C'est ce qui nous est promis dans cette traversée, arriver maintenant dans le temps où nous bâtissons ensemble le royaume de Dieu, temps où nous sommes princes et princesses de paix en Christ. Nous y sommes une source de joie pour le monde, pour notre prochain quand il est en train de s'enfoncer dans le chaos, dans les ténèbres et dans l'angoisse. Cette traversée des eaux est une naissance à nous-mêmes. Déjà, nous touchons terre, et cette terre a un parfum de paradis. Dieu nous bénit et nous accompagne dans cette traversée. Amen.